Bonjour tout le monde, ici le Yakipon pour Iva Sound Studio. Enfin bref, vous connaissez l'intro, hein, c'est habituel. Ça faisait longtemps qu'on avait fait du stream, mais c'est normal, j'ai un truc en fait qui s'appelle un vrai travail. Donc sur le coup, c'est beaucoup plus compliqué de faire ce que j'ai envie. Mais bon, aujourd'hui c'est le jour de repos, pour une fois, j'ai rien de prévu, donc je me suis dit pourquoi pas faire Let's Go EV ou Let's Go Evoli pour les plus francisés d'ici. Appuyez sur un bouton de la manette que vous souhaitez utiliser. Oui, j'ai envie d'utiliser ça, je confirme. Je n'ai jamais lancé le jeu, j'ai pas vu comment ça fonctionnait, donc on va voir. Et s'il faut, on va juste râler sur un jeu. Mais ça, vous avez l'habitude. Je suis encore enrhumé, sinon ça c'est pas marrant. Et je tousse. Voilà. J'espère que vous êtes contents. Ah. Non. Donc je suis entouré, hein. Vous pouvez l'entendre. Il y a Jake, il y a Kuro et il y a Rumi, le fameux. C'est Bonjour tout parti. le monde. Ouais, on a plusieurs micros, on s'amuse, c'est le swag. Nous allons mettre en français, on commence. Et on pleure. Voilà, on pleure parce qu'il y a Evoli, qu'on a déjà envie de gifler, sinon c'est pas marrant. Ah. Oh là là, oh, je vais le dire, mais j'ai tellement la flemme. Mon nom est Shen, mais les gens m'appellent amicalement le professeur Pokémon, oh là là. Voici un ensoleillé, souvent dépeuplé de créatures appelées Pokémon. Et ces Pokémon, vois-tu, certains adorent les chouchouter. Oh, ça change un petit peu d'habitude. Tandis que le combat, blablabla, pour ma part, j'ai oublié de dire une phrase, j'ai fait de l'étude de Pokémon ma profession. Ben assez parlé de moi, dis-moi un peu plus sur toi. Putain, moi aussi, j'aimerais bien étudier un seul truc et dire, ah, je suis trop fort, c'est ma profession. Bon, oui, y a... parce que je ne suis pas une gonzesse. Comment on pourrait appeler ce personnage? Bon, on va mettre. Non! Faut arrêter avec ça, je n'en peux plus! Foutez-moi la paix avec ces mots. Non. Ah là là. Non! Non! Par contre, comment on va appeler le rival? Ça, c'est un problème. Non, parce que. Ben non, regarde, c'est un mec, t'es con ou quoi? Mais non, mais. C'est un mec, c'est pas une fille. Oh, tu me saoules. Si, tu me saoules. Ils vont te mettre un micro devant le nez, tu vas comprendre. On pourrait faire ça, c'est vrai. Oh, je sais comment je pourrais l'appeler. Niveau max. Oui, ben, merci. Bon, comment on pourrait l'appeler? À part casse-couille, mais ça serait. C'est pas très marrant. Ou alors torrent de sel. Alors, dans ce cas-là, nous allons l'appeler Jacounet ou Titounet. Titounet, allez. Le fameux Titounet. Merci de mettre deux os à Titou, s'il vous plaît, de bien respecter ça. Titou ou Né? T'as mis quatre alors. Juste Titou. Ouais, mais attends, il y a que 12 lettres, mec. Voilà, c'est très moche comme ça. Je pense que c'est le meilleur pseudo qu'on a jamais pu mettre de toute notre vie. Merci. Vraiment, merci Nino, merci Noémie, là vraiment. Ah, on aime beaucoup. C'est J'apprécie. la joie, quoi. Oh mon Dieu, quelle horreur. Yakimon, ta quête des Pokémon est juste sur le point de commencer. Incroyable. Un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attend. Oui, bon, ça, c'est la phrase habituelle, on la connaît. Bonne chance. Bon, normalement, on rétrécit et on va de suite dans le bout palette, mais là, c'est pas pareil. Ouais, c'est souvent le problème. Oh là là, mes mains. Il se fait un bad trip sur ses mains, c'est genre oh ma chambre! Ouais! T'as qu'à te mettre plus près de l'écran, espèce de gros con. Bon, est-ce qu'il y a l'éternelle potion dans l'ordi? Vous avez un email de Titouné! Salut, vu qu'on va bientôt avoir de propres Pokémon, voilà mes notes sur le code du dresseur. Appuie sur A pour parler aux gens, incline le stick à fond pour courir. Appuie sur X pour sélectionner et sauvegarder pour enregistrer une partie. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. Voilà. On est heureux. Allez, on se casse. Il n'y a pas l'éternelle potion, ça me saoule. Je suis très très déçu. Oui, bon, c'est... Yo, c'est moi. Bonjour, c'est moi.
Le mec il monte chez toi, gratuit. Dixit, le mec il rentre, c'est ouvert. C'est pas faux. Ah, tu devrais... non, tu rêvais fort à tes petits Pokémon, flash info, mon pote arrête... Ah putain, on aurait vraiment dû l'appeler Elise Doucet. Secoue-toi le popotin, t'en auras un. De quoi de popotin? T'as oublié ou quoi? Aujourd'hui, on doit aller voir le professeur Shen pour recevoir nos Pokémon, c'est le grand jour, on va devenir dresseur. Ah, au fait. Je sais pas si t'as vu, mais je t'ai envoyé un email. Oui, j'ai vu. Bon, je fonce, je t'attends chez le professeur Shen, vous... Il est parti très vite quand c'est même. Comme, exactement comme quand moi je t'envoie un mail en fait. Eric, t'as un mail, tu peux checker. Eric, t'as un mail, tu peux checker. Oui. Ah mon dieu, mais. Je suis le fils du facteur. Oui, oui. C'est mais c'est surtout toi. Que je suis le fils du facteur. Bordel! C'est une petite ville pour palette, mais quand même quoi. Bonsoir, bonjour Imagiro, bonsoir Linux qui vient d'arriver. Quel micro on utilise? Là, on est branché sur... regarde la photo sur Facebook, tu comprendras. Des micros directionnels spéciaux. Ouais, alors, je peux marcher dans les pâquerettes. C'est moins bon que nos micros spéciaux, mais là... Et une madame. J'élève des Pokémon, quand ils sont assez forts, je pourrais me protéger. Ah, ils pourront me protéger. D'accord, donc... Oh. Le pouvoir de la science est formidable. On peut désormais connecter sa console avec son ordiphone. Enfin, je veux dire, son smartphone. Pour échanger des données. Mais ta gueule. Ah, je sais pas, peut-être. Allons voir le prof Shen. Oh merde. Ah, si c'est Shen alors qu'elle a une tête de gland. Oh non. Oh non. Oh non. Mais arrêtez de dire que vous êtes ses assistants, ça fait vraiment un tocard quoi. Dans ma vue, le professeur Shen il est pas là. C'est pas que moi je veux. Ah, j'en peux plus d'attendre. Excusez-moi, je suis malade. Ça s'entend pas du tout. J'avais oublié qu'il fallait aller marcher dans les hautes herbes. On peut marcher tranquillement, genre titi. Bon, allez, go. Ah, il les entraîne, j'ai cru qu'ils se faisaient encore victimiser par des roucoules. Oh là, c'est fou. La vie n'est que découverte. La vie n'est que salope aussi, hein. Mais bon. Oh là là, quel bon vent t'amène! Ben, j'ai envie d'un Pokémon, donne-le-moi. Mais en fait, il était censé le faire à la base. Ouais, voilà. Je vois pas pourquoi il te pose la question. C'est ça! Alors, non, il m'a dit que on ne joue pas avec la Switch, il rentre dans les mains, il est sur le dock là. Ouais, à mon plus grand désarroi, d'ailleurs. Eh, ouais. Mon dieu, ce regard, Jean, je t'aime. Moi, je dis qu'il aurait presque vu la vidéo pour relancer. Oh non, on n'a pas ça. On n'a pas ça, c'est trop tard, on n'a pas ça. Nye. Pointez le Joy-Con en direction de la Pokéball affichée à l'écran. Oh putain, non. Comment on fait? Vu. Non. Ah là là. Ne lâchez pas votre Joy-Con. Vivant, mais tout cas. Et Guy. Ah, du premier coup, je suis rentré trop fort. Ah, c'est pour ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je l'ai visé en plein dans le visage du premier coup. En gros, pour la comparaison avec Pokémon Pikachu que j'ai fait moi de mon côté, ton premier Pokémon, c'est ton starter, en fait. Non, mais j'ai compris ça, merci, mais... Donc forcément, tu peux que le réussir, même du premier coup. Non, mais même si j'avais visé à côté, genre, si j'avais fait un revers... Elle serait venue dessus, en fait. Pff, c'est vraiment de la merde. Moi, j'ai cru que j'étais fort et tout. Ça, c'est du Nintendo. Ah, l'ombre. Ah, le pixel de l'ombre, j'apprécie. Évidemment, mais... Une Pokéball qui saute, hein, on l'a vu dans tous les jeux, ça. Un petit fripon. Eh, Shen, faudrait vraiment qu'il se mette à jour. À cette époque, on dit « Wesh, gros !» Tara, s'enculer et tout le bordel. Bref. Pardon ? Ah merde, oui. J'ai eu peur, là. Oh là là, il est dans la troisième Pokéball. Qui dit que toutes les ombres sont dégueulasses dans le jeu. Ah mais sans déconner, là on a vu, c'est vraiment moche. Hein. Ouah, ça a bougé. Non, pour une fois qu'il bosse pas. Espèce de feignard, ça va. Ouais, va jouer à Splatoon, lol. Avec tes 1600 heures, là. Comment je fais? On dirait que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce choix. Oh là là, je peux même pas choisir, quoi. C'est absolument ini. Waouh.
Oh là là, mais c'est incroyable, il me sent les doigts. T'as mangé quoi? Je sais pas. Il s'est peut-être... il s'est peut-être gratté le cul avant de venir, hein, aussi. Oh là là, j'ai envie de le gifler. Il m'énerve. Oh, ta gueule, allez, on y va, là. Je vais aller taper des Pokémon, moi. Oh là là, il n'est pas banal. Ouais. Est-ce que c'est l'heure où on renomme tous les Pokémon que nous avons attrapés? Non, allez, on va éviter. On sait jamais si un jour je peux le mettre sur mon Let's Go, à moi. Il s'appellera Evoli et pas Teubé ou... Lui, il a pris Pikachu, mais c'est quoi le dernier, je veux savoir. Merci. Bon, allez, on se casse. Ça m'a saoulé. Ouais, voilà, c'est un Pokémon. S'il faut, c'est Giratina. Au moins. S'il faut, c'est Mew. Et c'est comme ça qu'on le débloque. Alors, Mew, tu le débloques que d'une seule façon. Hein. Oui, je sais, faut acheter le jeu et... Enfin, la Pokéball, surtout. Je sais pas quoi. Non, ouais. C'est juste la Pokéball. Faut jouer avec la Pokéball et tu débloques Mew. C'est acheter la Pokéball et Mew est dans la Pokéball, en fait. J'en ai déjà marre. Bon, c'est la fin du stream. On va acheter une Pokéball, on revient. Mais mec, tu sais... La fin du stream, j'en veux plus. Allez, roulez jeunesse, putain, mais il est nul. Oh là là, oui, on sait ce qu'un Pokéball... Ah oui, il y a Imagiro par rapport au changement de nom, c'est vrai. Tu peux changer de nom tes Pokémon quand tu veux. Ah bon? Ouais. Eh ben, c'est des gros, quoi. Je vais appeler mes Pokémon gros con 1, gros con 2. Non, c'est mensonge. Ah putain, c'est ça que je veux. Oh, passage des cinématiques, j'hésite tellement. Mais bon, il faut que tout le monde voit ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe encore là? En gros, il y a Nino qui disait le temps qu'on va acheter la Pokéball, elle tient le chat. C'est une bonne idée en vrai. Aïe aïe aïe, tu l'as attrapé tout seul comme un grand, mais c'est merveilleux. Oh là là. C'est quoi son petit nom? Evoli. Oh non. Est-ce qu'il va hurler comme ça quasiment tout le jeu? Genre vraiment tout le jeu? Oh non! Ah, j'ai une carte. On va pouvoir faire. C'est la carte. Et un sac. Non, merde. On est la Dora de Pokémon, putain, mais. Bon, allez, c'est bon, on peut se barrer. Allez, ciao. Oui, allons chasser des Pokémon. What the? Oui. Ah. Par contre, voilà, tu t'en fous de te balader dans les autres herbes, ils apparaissent, tu peux les voir, et du coup, c'est aussi plus facile pour avoir des shiny. Mais c'est des putains de Chetiflore! Oui, que tu n'as pas d'un Pokémon Pikachu. Allez, tu l'auras jamais, je te les changerai pas. Sauf que moi, j'ai un Rafflesia, tu vois. Ah merde, je préfère Mystère à cette merde. Attention! Alors, comment on fait? On appuie sur A, et après on fait INI! Mais je suis trop un putain de beau gosse! Non, mais j'ai fait un excellent, et puis vous auriez dû voir la tête de Titouné à ce moment-là, le dégoût dans son visage. Oh merde! Mais c'est trop bien! Oh là là, oh non, putain, oui. Ah, apparemment, mon Chetiflore est plus petit et plus léger que la moyenne. Et c'est un femelle, on est content. Non, je sais pas, enfin peut-être, sûrement. J'en ai absolument aucune idée. Genre, est-ce que si on le gaffe de bonbons, il va grossir? Oh, le remix des musiques. Tu me donnes une potion, toi, ou pas? Ou c'est comme le PC, je me fais baiser? Pourquoi on se met sur nos genoux comme ça pour lui parler dans les yeux, quoi? C'est un enfant. Oh, c'est un connard. Les enfants, c'est des tocards. Il n'y a plus de Pokémon, ça y est? J'en ai capturé un, c'est fini? Ouais, ça doit... Ah! Est-ce qu'on a envie d'un Rukul? Allez, en vrai, il va y avoir la forêt de Jade. Ah, il a voulu me dire quelque chose, il dit non. Attention. Est-ce que je vais y arriver en mode... Iggy! Ah, un peu loin, par contre, là. Imagiro, je te zute bien profond. Il y a Imagiro qui disait que c'est aussi dur à attraper que comme de vaincre le pirate d'un Cuphead. Oh putain, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Ah, j'ai un bonus multiplicateur. Pourquoi?
Nouveau Pokémon, je l'ai lancé, Ah mais en fait, c'est exactement comme dans Pokémon Go. Et on gagne des niveaux juste en attrapant des... Et c'est complètement pété. Ah, j'ai Vive Attaque. Ah, je suis très heureux. Ah, putain, on va se taper ça à chaque fois. Bravo, il est plus gros et plus grand que la majorité. Roku l'a rejoint ton équipe. On est très heureux. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben qu'est-ce qu'il y a, putain, il y a rien là. Mais j'appuie sur A. Eh ben qu'est-ce qu'il y a? Alors, quand il trouve... Voilà. Sauf que des fois, c'est hyper chiant de cliquer, en fait. Tout ça pour une Mother fucking Beframbi, quoi. Alors que le Roucou le vole. Salut. Oh, il est joli. Non, t'en auras pas, Evoli, c'est unique, connard. Alors, Jadiel. Mais la ville a été complètement refaite. Elle ressemble pas à ça. Pourquoi il y a une espèce de cancéreux, là, sur... C'est vrai, en plus. Ah, merde, nous allons le retourner. Ah, putain, c'est vrai qu'il faut acheter beaucoup trop de Pokéball dans le jeu. Bon, on n'a pas besoin d'aller... Oh, mon Dieu, toi, t'es moche. Non. J'ai pas envie. Ah, oh, mais ta race. Désolé. C'est une blague. C'est tout. J'arrive à me faire chier tout le jeu à me dire un seul doli les fleurs avec les ombres pixelisées. Putain, mais... Non. Ah, t'as vraiment l'air débordé, mec, pour être en dehors de ton magasin en post-club. Putain. À la poste. Ouais, c'est vrai, hein. Je peux juste faire oui. Mais ils ont vraiment cassé le jeu. Bon, allez. On reste calme. On ne critique pas. Oh mon Dieu! Il a une idée! Qu'est-ce que c'est, sa putain d'idée? Je veux être chiant! C'est bon, t'as déjà réussi, quoi. Il veut monter sur ta tête pour être un tocard. D'accord. Oh là là. C'est ma commande, merci Amazon. Aïe, aïe, mon Pikachu, ah, quoi. C'est trop stylé. Oh là là. Mais je m'en bats les steaks. Ah oui, c'est vrai, on peut pas manger une espèce de framboise, hein. C'est vraiment que pour les Pokémon. Aïe, aïe, aïe. Et surtout, amusez-vous. Oui, on va essayer. Oh, putain. Quoi? Ah, c'est bon, on va enfin te foutre une raclée. Je l'attendais, mais je me suis dit, on part et voilà. Oh, cette tête. Nyeh. Fatachu, go. Ah oui, d'accord. Ben, heureusement qu'on s'est pas loupé, parce qu'il se prenait le mur et très vite. Alors, attaque. Oh, j'ai mal. Voilà. On a montré le cul à Pikachu, mais il n'a pas aimé. Et maintenant, c'est parti. Le spamage de Vive Attaque. Bof. C'est une blague. J'espère que c'est une mother fucking blague. Mais il est déjà mort. Et ils ont mis le multi-ex de base. Oh là là. Venez me dire que ce jeu est dur, quoi. C'est fait pour les enfants aussi. Ouais, enfin bon. Non, par contre, je veux l'enlever de sur ma tête. Comment on fait ça? Je veux le faire traîner par terre. Je sais plus si... X. Oh non, ça fonctionne pas. Dans équipe. Bon, allez, le Balek. Ah bon? Je pense pas, vu que c'est vraiment un starter très spécifique, mais... Non, tu vois, il y a le cœur, là. Déplacé. Oh. Non, mais moi, je veux que ça soit lui, mon... Tu peux le sortir de la Pokéball et avoir les deux qui te suivent, par contre. Hein. Enfin, évoluer sur la tête. Est-ce qu'on peut sortir tout le monde? Non, c'est un seul. Bon, bah, Chetiflore, vas-y, tu vas marcher avec nous. Voyons voir.
Mon dieu, qu'est-ce que tu es laid, mon pauvre chétif. On dirait qu'il... Oh là là, mais non, mais... On dirait qu'il joue à... Il joue avant moi, quoi. Il joue à Cult of the Vind, le chétif fleur. Non, me faites pas penser à ça. Allez, c'est déjà le début du costumage de Evoli. Merci Linuxilla pour le follow. Ouais, on est follow. Allez. Récréation. Faites glisser le curseur en forme de main sur Evoli pour le caresser. Appuyez sur le bouton ZR pour le tapoter. C'est une blague? Je peux vraiment... Ah non. Je veux t'appuyer dans les yeux. Allez. Meurs. Meurs. Bon, il veut pas. Ah, il tire vraiment la gueule, quoi. Oh non, il est insupportable. Ah, je peux te donner une baie. Vas-y, prends une baie Frambi et mange-la. Oh, enculé. C'est vraiment un Tamagotchi. Et ça, c'est quoi? On sait pas, on verra plus tard. Allez, ciao. Nous allons à... Oui, on s'en fout. Allez. On veut jouer avec mon chétiflore qui bat des ailes, quoi. Enfin, des pétales. Des feuilles. Eh, mais c'est toi. Mais... Le mec te dit qu'il est débordé, il est en plein milieu de la route 1 pour t'emmerder, tu diras ah, bravo, tu es vraiment très gentil, voici une potion. Putain, mais quel tocard ce mec. Il pouvait pas faire deux pas, il y serait chez le professeur Chen. Ah, il m'a saoulé. Venez, on s'en va. Aïe, aïe, aïe. Il n'y avait pas un seul Pokémon. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ça t'avait manqué, tu vois, Pokémon, hein? Oui. Surtout pour ça, quoi. Putain, ce lançage d'Evoli, mais il me saoule. Alors que la vive attaque... Mais j'ai one-shot tout le monde, j'ai encore plein de critiques. Mais il est pas drôle. Et qu'est-ce qui se passe, la régie? Oh, pour l'instant, tout va bien. Le chat discute entre eux. Ouais, le chat se fout de ma gueule, oui. Non, ça va pour le moment. Attends, j'ai une idée. Attendez-moi. Deux secondes. Voilà. Maintenant, je vois le chat se fout. Tu devrais couper le son, par contre. Non, ça va pour le moment. Attends, j'ai une idée. Bah, j'ai mis le son à 4. Deux secondes. On n'entend pas. Ne t'inquiète pas. Non, mais en fait, j'ai baissé le son. Là. Il sort le son du Elgato et le son il va sortir le son de sa main. Bah, j'ai mis le son à 4. Deux secondes. Mais il était déjà on depuis tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Non, mais j'ai baissé le son. Là. Il sort le son. Je vais te faire plaisir. On va quand même couper le son. Voilà. Oh là là, c'est gratuit. Oui, oui, après, il faut le réconfort, c'est bien. Voilà, il s'est barré. On l'aime. Bon, on va recharger les PP. Ah, je veux le Vénard. Ah merde, c'est le Chekou. Oh là là. J'en ai déjà marre. T'as de l'eau. Oui, mais c'est pas l'eau, c'est je décède tout seul. C'est j'ai mal à la gorge, quoi. Je suis vraiment heureux. Viens, Chétiflore. Putain, je pourrais l'appeler Tebeu, comment. Non, mais il a une gueule, le Chétiflore, là, vraiment. Ouais, il est merveilleux. Pourquoi me... C'est quoi l'idée, du coup, voir combien de temps il y a qui tient sur le... Oui, c'est exactement ça. Donc, nous allons rusher. Nous allons voir un petit Ortide et lui dire Ortide... Ah non, oui, c'est un mystère, pardon. Ah, je me suis trompé. Je vais aller à l'arène. Encore un qui est parti. Je vais couper. Allez, on y va. Non, parce que... Non, parce que c'est que ça, Yaki, tout le long. Oh, merde. Genre, vraiment. Ah, des roucoules. Heureusement que ça nous manquait, les roucoules. Y'a rien d'autre? Genre, y'a un roucoule dans un patch choc de... Ils apparaissent tous, hein, les Pokémon, de toute façon. Ah, ça, je veux bien. On va voir si... Si j'arrive à le capturer comme un caca. Je lance, Blue. Bon, ça fonctionne pas très bien. Se lancer. Ouais, ouais. Hein? Ah, bon, c'est mieux.
heureux. On a attrapé la Spico. Oh là là, des montées de niveau en arc-en-ciel, quoi. C'était vraiment obligatoire. Ah, j'ai dit, Flore va évoluer, on est tellement content. Faudrait la cam pour voir les lancers magnifiques. Non, on veut pas ça. Et on peut pas, de toute façon. On n'a pas de caméra. Non, Facebook Live. J'ai dit qu'on n'a pas de caméra. J'ai dit qu'on en a pas. Y a pas un chenipan. Y a pas un bambipan. Non, encore un aspicote. Ils sont où les Pokémon shiny? S'ils sont shiny, tu vois, ils ont des petites étoiles autour. Ah, y'a un Ratafion. Est-ce qu'on, on, est-ce qu'on peux... fait la collection ou est-ce qu'on se barre en vrai? Ah, ça c'est toi qui vois. Encore un Shudifu. Donc tu m'as dit quoi, pardon? Que les shiny c'est quoi? Les shiny en fait, ils ont une espèce d'aura brillante autour. Oui, ça joue, mais comment on les trigger? Ah, bah tu fonces dessus. Non. Tu veux dire. Je veux dire. Il y a un système de chaîne, il faut qu'elle tire plusieurs fois sur le même truc. Ah oui, il y a les... Il y a des items. Oui, qui te permettent d'augmenter la en fait, chance par deux ou par wow. Plus t'as le même Pokémon en capture, ça te fait des combos, ça te donne plus de chances et tu vas avoir des objets pour augmenter ces chances-là en plus. Ah, il y a des petits cocons forts là. Bon, je m'en fous, je suis là pour frapper des gens avec des chenipans et des. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est laide. C'est Johanna la fillette. Mais elle a même pas un putain de chenipan ou de. Mais qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Avec du parfum. Ah, un doux parfum, un truc du genre. Hein. Genre, t'arrives avec ton petit Kenzo là et. Le parfum, c'est surtout pour attirer plus de Pokémon. Après, pour le même type, ça. Il y en aura forcément. Ouais, d'accord. Putain, l'animation de la charge, elle est tellement laide. On dirait Bowser qui dash, quoi. Pareil. C'est... Oh là là, mais ce mouvement de cheveux et cette tête, quoi. On dirait une cacahuète, sa bouche. Sans déconner. La bouche en cacahuète. Oh, super. Moi, je veux ça, moi. Ouais. Mais pourquoi il s'enfuit, je comprends pas. Ah oui, je ne veux pas utiliser de B, c'est ça le problème. Oui. Ah d'accord. Genre, j'ai fait un... Mais je comprends pas. Ah, ça va être pénible. C'est avec plus de puissance aussi. Ah ouais, mais là, si je lui mettais un plus de puissance, je crois que j'écrasais le chenipan. Ou alors, elle partait à Babel, ouais, regarde. Ouah, super. Le parfum fait apparaître les Pokémon un peu plus rares. Bon, on va demander du 1 million et c'est parti. Putain, je fais que tousser, c'est insupportable. Oh, Tornade. C'est en cas si on a un souci dans la forêt de jade, on pourra utiliser Tornade. Ah, mais je crois que c'est de type normal, Tornade. C'est pas. À moins que ce soit repassé vol. Dans les premiers jeux, je crois que c'était pas vol. Enfin, moi. On veut pas de cocon fort. Ah, y'a une Pokéboula, ça là. Allez. Ah, encore. Ah, y'a un Crisacier, je l'avais même pas vu, quoi. Qu'est-ce qui vient d'apparaître, là? Pourquoi il est bleu qui brille, là? Mais c'est pas du tout un. Je veux pas l'attraper. Si tu... En fait, le bleu qui brille, quand tu le captures, ça te dira ensuite qu'il sera une taille mini. Quand il sera en orange rouge, c'est une taille maxi. Mais c'était chenipan, c'était pas trop cool! La fuite. Ah oui, ouais. Après ils peuvent pop devant toi comme ça. Ah bon? Oui. Mais c'est des tocards en vrai. Alors, je suis content de finir mon après-midi avec vous, je vais me marrer. Eh bien, bon courage à toi de nous supporter encore et encore. Taille mini. Ça sert à quoi? Vlu. Mais putain, notre enculé de merde. Ça sert à quoi, taille mini? Oh bordel! Je veux un taille mini! Mais putain, mais! Oh, mais c'est insupportable, sa race! Heureusement que j'en ai 45! Mais putain, mais! C'est, je vais avoir mal au bras en forçant. Non, du coup. Il n'y a aucun impact. D'accord, donc en fait, on s'en bat les steaks. Merci de m'avoir donné cette info. Excusez-moi de vous embêter, hein, mais.
voilà, je le répéterai encore et encore, je suis malade. Est-ce que je pourrais avoir la bouche? J'arrive. Kongubo capture 2. Mais, ah si, c'est le dernier que j'ai capturé, d'accord. Est-ce qu'on farmerait le chenipan shiny? Allez, on va faire ça. Je suis pénible. Hein. Mais crève. Apparemment, il y a des gens qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais putain, mais part à Babelwed. Merci beaucoup. Pourquoi non? C'est à quoi non? C'est surtout ça le problème. Non, je sais pas. Non, mon dieu. Mais qu'est-ce que je fais encore? Je crois que tout le monde n'est pas d'accord pour que tu fermes du shiny. Je veux que tu fasses un shiny. Un shiny chenipan. Mais c'est à combien le combo? Si vous me dites que c'est à 50, ça va me calmer, mais. C'est random, hein. C'est random? Mais c'est la merde. Salut! Avant de faire une chasse, prends des Pokéballs en masse et t'en as pour 4 heures. Mais non, tout le monde a dit que c'était trop facile de faire des shiny sur ce jeu. Non, plus facile. Mais tout le monde n'a pas la moule de Tauren, hein. Ah ouais, mais. Ah, je savais même pas que ça s'écrivait comme ça, la chasse avec SH. Waouh, c'est vraiment trop. J'en ai marre. Bon, en discutant avec les gens autour de moi, ça sera plus sympa. Akuro, que penses-tu de ce jeu? Ah! D'accord, Ok. On en est là, quoi. Oh merde. Regarde, j'ai un combo 4, j'y suis presque. Bon, nous avons aussi une autre personne autour de nous. Oh, un Dardardagnan. Oh, fonce. Pourquoi? Bah, c'est rare. Ouais, mais... Ah, regarde! Ça ferait casser mon combo, alors que là, il y a quand même un chenipan. Oui! Oh là là, c'est excellent! À partir de 11 captures, tu crées une chaîne et le jeu considère que tu cherches un Pokémon. Il va pas plus facilement. Une amie a passé 22 heures pour avoir un mini Draco. Non, mais en même temps, mini Draco, moi je veux juste un putain de chenipan moisi. Mini Draco, rien que ça, lui-même seul, il pop à 1 ou 4%, je sais plus. Dire que j'adore mini Draco. Non, mais ça, je peux comprendre. Et quand tu dis une amie, Majiro, c'est une amie ou une amie? Tu comprends très bien ce que j'ai fait avec les doigts. Ah là là, je suis insupportable, j'en ai marre. Surtout ne pas toucher les autres Pokémon. Est-ce que le combat c'est considéré comme un cassage de chaîne? Ma copine. Ben voilà, ta copine n'est pas une amie. Il est con, lui. Tu peux même l'appeler par son prénom. Hein. J'ai oublié, on s'en fout. Bref. Josiane. Ah, c'est Saïd. Saïd envoie. Ils sont vraiment les pires. D'accord. Bon, sinon, Romy, que penses-tu de Pokémon, sachant que toi, tu ne les as jamais fait? Et que tu connais pas forcément le jeu de Clarisse. Ah merde, oui, ça commençait par un C, c'est déjà pas mal. Attends, comme quoi j'écoute à moitié. Ou que je lis à moitié, en l'occurrence. Ouais. Est-ce que tu veux un micro pour dire ton avis? Oui, je prends le micro, monsieur Yakipan. Ok, go. Non, après, c'est pas mal. Même ah, si il est là! Pardon. Même si je connais pas le jeu, je t'ai déjà vu jouer. Sur un Pokémon? À y jouer, bah oui. Ah d'accord. Soit. Oui, putain, mais. Et après, quand je te vois lancer, on dirait. J'ai l'impression de te voir jeter sur Pokémon Go avec ton portable. Ah merde. Ça me fait beaucoup rire. Bah, c'est vrai qu'ils ont gardé le même. Bon, qui garde le même système, en gros, moi, ça me dérange pas. Vraiment. C'est, ils l'ont assumé, ils l'ont dit que c'était pas vraiment un Pokémon classique. Et que voilà. Allez, plus que 5, on a commencé c'est la pas chaîne. Un Pokémon classique, mais c'est pas un spin-off non plus. Après, alors, ils évoluent aussi avec les nouvelles technologies. Regarde, il y en a encore un là. Non, tu peux les faire évoluer avec les niveaux comme dans un Pokémon classique. Ah oui, bien sûr. Sinon, pour ma part, je trouve le jeu beau, mais tellement lent et facile. Ouais, mais ça, ils l'ont assumé aussi. Ils l'ont dit que c'était pas un vrai jeu Pokémon et qu'ils faisaient aussi pour les gamins. Par exemple, déjà pour les plus nostalgiques. Pardon.
Et surtout pour les plus nostalgiques qui ont maintenant des enfants, ils ont mis un mode deux joueurs. Bon, certes, ton gamin peut spammer la capture et te balancer toutes tes Pokéballs dans le vide, mais... Tu sais ce qu'il te reste à faire alors, Yaki? Non, je n'aurai pas d'enfant. Je n'en veux pas. J'ai déjà une grosse mini et ça me suffit largement. D'ailleurs, on a fait... Alors, tout le monde va s'en foutre, c'est pas grave, hein, on parle de tout de rien. On a estimé son âge à 8 ans. Mimi? Ouais. Ah ouais? Ben ouais, parce qu'en fait, elle existait avant plusieurs de mes chats. D'accord. Ouais. Donc, ah putain, encore un chenipan, mais le jeu veut qu'on ait un chenipan chez lui. Regardez, on les capture tellement bien. J'espère que vous êtes heureux de voir ça. Appuyez sur 1 si vous faites le chien. À la MV, tu sais. Appuyez sur 1 si vous faites chier. Et en plus, ah, impeccable. C'est ça qu'on veut. C'est les streams où on se fait chier. Si vous êtes aussi déçu, faites 1€ de don. Hein, ça c'est bien, on pourra s'acheter du McChicken. Ou en l'occurrence, ce soir, ça sera sûrement taco. Donc si vous voulez nous proposer des garnitures... Ah, regardez, ils sont là! Il y en a tellement. Le jeu veut que je chope un putain de ta mère. Tout le monde appuie sur 1. Mais vous voulez savoir la couleur du chenipan shiny, parce que vous ne la connaissez pas. Ah, j'ai une Benanab. Ah, c'est celle qui empêche le comportement pénible, c'est ça? Du genre. Ouais. T'as pas des bananes pour les jeter sur Eric? Faire des bananes. Quoi? J'ai absolument rien compris. Tant que ça fait pas des Benalla. Bon, on en est là, je suis vraiment désolé pour vous. Merde, il sait à quoi ressemble. Je vais faire un don juste pour qu'il avance. Non, je suis si près du but. Je suis si près du but. Regardez, je crois qu'on est à 9 ou 10. Je sais pas si t'as vu, mais il y a que 2-3 minutes, t'avais un Pikachu qui traînait. C'est vrai? Ouais. Ah merde, j'ai pas vu, non. On s'en fout, Pikachu, c'est nul. Waouh. Putain, tout le monde a fait une montée de niveau. C'est l'arc-en-ciel du niveau. Je pense en fait que mes chenipans vont évoluer avant que je chope le shiny. Oh, il y a des chances, oui. Il y a beaucoup de chances. Oh là là, ici. Je capture 10. Vous voyez, on y est presque. S'il pop au 11e, vous faites 20€ de dons. Il popera pas. Attention, c'est maintenant le moment. Oh, d'accord. C'est pas maintenant, c'est maintenant. Il te reste combien de Pokéballs sinon? 20. Merde. Je peux encore en capturer plein. Oui. Non, maximum 20. Ça y est, on est à 11. Est-ce que le jeu a compris? Attention. Non, il a pas encore compris. On continue alors. J'ai senti l'espoir dans cette question. Laquelle? Ah, combien de 13 Pokémon? Ah, il m'en reste 27! Désolé. Attendez. Alors, j'ai fait un peu de bruit. Non, vous ne voulez pas, mais... C'est pour vous. Non. Je cherche. A donné un stab à sa conchasse. Laquelle? Celle de... Usuel. Parce qu'il y a un truc, quand même, j'ai pensé à vous. J'ai pris des pastilles pour la gorge. Alors, en attendant, on va faire comprendre au jeu qu'on veut, évidemment... Ah, un chenipan shiny. Pourquoi je me donne des putains de défis comme ça? Pourquoi je suis pénible? J'aurais dû préciser avant le stream en fait. Oui, en fait dans le stream on vous l'a pas dit, mais c'était vraiment pour se faire chier. C'est ça m'est venu d'un coup, je me suis dit j'ai envie de faire un chenipan shiny. T'as tellement d'autres Pokémon autour. Ouais, il y a plein de Pokémon autour, mais je veux pas qu'ils assiedent. C'est pas des chenipans, et ce n'est pas des chenipans shiny. Il faut le dire. Allez, dépêche-toi. Il y en a un jaune, là, qui va arriver. C'est forcément ça. Regarde, il y en a qui ont disparu esprit pour laisser place aux autres, non? Putain, j'ai cru. Oh, il y a un Bulbi! Bah, va choper ton Bulbizarre. Tampi, casse la chaîne, c'est un Bulbizarre. Non! Va chercher Bulbizarre. Non! Si. Non, il y a un Fatachu. Il va pas rester longtemps. Hein. C'est vrai? Oui. Si t'attends, il va être... Ah, vous êtes pénible. T'as un Pikachu aussi sur ta droite. Moi, je m'en fous, je veux ça, moi.
Mais non! C'est bon, on va pouvoir avancer. Mais putain! Oh, mais je suis dingue! Vas-y, tiens, ah, je te veux, toi, par contre. Toi, t'es mon super copain. Tiens. Ah oui, même déjà. Putain! Ah, il y en a un qui a quand même dit qu'il fallait pas casser. Si c'est l'appel du but bizarre, vous pouvez pas comprendre. C'est tellement mon personnage préféré. Mon Pokémon préféré. En plus, c'est le numéro 1. Tu devrais l'intégrer dans ton les 6 là. Je pense qu'on devrait d'abord faire quelque chose d'autre. Faire une sauvegarde. C'est pas bon. Déjà ça. Et ensuite, autre chose. De la mousse au chocolat. Non, nous allons trouver un putain de bulbisage. Non. Non. Mais comment? Non, mais je jette tout le jeu. Au bout de 20 heures de jeu, tu seras encore dans la forêt de Jade, quoi. Et ça, c'est ce qu'on veut. Oh putain. Non, j'ai menti. Putain, mais moi je voulais. Ah, y'en a plus, Nino. Allez, désolé, j'en ai fait de la maison là, la mousse au chocolat, y'en a plus. On a mangé avant le C. Ah oh, oui, la mousse. Pour de vrai. Bon, ah, c'est un mal en plus. Ah, mais putain, mais quand. Tu l'as lancé au moment où il s'est lancé lui. Ouais, mais ça, j'y peux rien, c'est le jeu. Ça, ma pauvre Lucette. J'avoue. Le temps que je me ramène. C'est pas faux. Aïe aïe aïe. Comment on fait pour jeter les. Je dis pas. Tu peux en te faire des bonbons. Oui, mais c'est ce que je voudrais faire. Je vous déteste. Mais non, mais non. Oh là là! Nous allons avoir un cocon fort. Première évolution. Oui, bah ça c'était obligé. C'était soit ça, soit Chrysacier. PK Fire. Bon, et eh bien voilà. On est heureux. Nous avons un cocon fort qui apprend armure. Hein. Comme c'est étrange. Ah putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Oui, on a compris. Allez. J'ouvre les yeux quand même. Si je vois un truc jaune. Mais ça m'étonnerait. Bon, c'est un Pikachu. On pourrait tenter le Pikachu. Non, j'arrête. Salut! Tu veux te battre? Il a fallu que j'aille lui dire bonjour. En haut à gauche, t'aurais une Pokéball. Oui, je l'ai vu. C'est Omar. S'il était shiny, je pleurais. Alors, il me semble pas que les PNJ aient des shiny. Si, ça peut arriver. Mais c'est random aussi? Oui. D'accord. Ça m'est déjà arrivé sur des vieilles versions que le Pokémon Shiny soit en face et que ça soit vraiment un truc que je puisse pas capturer, quoi. Bonsoir, bonjour Yenrik qu'on ne connaît pas. Salut la pêche, et eh bien écoute la banane, toi. Oh mon dieu, faut arrêter. Stop it. S'il vous plaît, on n'en est pas à ce niveau-là. On n'est pas au niveau de chaîne. Hein. Mais oui, bonjour sinon. Ah, apparemment Nino a la banane. Dommage pour Benoît. Mais évidemment, ton shiny point il est pas assez fort. Déjà, il est pas niveau max. Et ensuite, il est pas shiny. Stupide. Bon, alors pour la private joke, c'est juste que j'emmerde. Alors, en même temps, je pense que emmerder c'est même plus un mot. Ça doit être encore plus fort que emmerder. Monsieur Akuro. Avec son Monster Hunter, c'est un peu comme Imagiro et Splatoon 2. C'est une histoire de 2000 heures, un truc du genre. Et il est toujours pas niveau max, et donc ça m'énerve. Si, il y en a. Et tu sais très bien. Par contre, la musique de la forêt de Jade, j'aime beaucoup. Alors, excusez-moi, j'ai envie de faire un truc... J'ai envie de voir, en fait. Parce que c'est des Pokémon qui sont censés ne pas bouger. Voyons ce que ça fait. Est-ce qu'il va larver sur le sol ou... Et tu n'as toujours pas fait ma sauvegarde. Et c'est vrai, je n'ai pas fait ma sauvegarde. Heureusement que tu es là pour le dire. Voilà, nous avons fait 40 minutes de jeu dans la forêt de Jade. À chercher un jeu du Pokémon Shiny.
Et au final, on a dû casser la chaîne pour un but bizarre. Et ça, c'est un peu la loose en vrai. C'est bien de voir qu'il y a des gens qui viennent nous voir. Ça veut dire qu'ils nous aiment, vous pensez? On déplore les absents. Ouais, c'est on surtout déplore ça, les absents, toujours les mêmes. Bah oui. Tu sais qu'il y a des bulles bizarres dans cette forêt? Oui. Ah bon? Oui, il y en a. Ah bon? Et d'ailleurs, je l'ai pas sur moi, il faudrait quand même le monter de niveau. Ouais. Donc on va essayer de sortir de la forêt le plus vite possible. Ils ont vu la. Et on aura bulle bizarre. Et si la. Oh, une hydre. Et si la Fueliane, on va rigoler. Ils ont vu la lumière. Oh, le soleil a pas. Oh putain. Alors attends, c'est un type poison, donc normalement il risque de souffrir sa race. Ah ben non, c'est un combat poison. Ouais, merde. Dommage. Oh là là. C'est, ils ont pris les nouveaux types dans les anciens. Je sais pas si dans les anciens types il était aussi combat poison, ou s'il était juste poison et qu'il passait en combat quand il évoluait en Nidoking ou en Nidoking. C'était Amandine la fillette avec la bouche en cacahuète. La fameuse. N'empêche, ce jet de main est génial. À chaque fois, là. Ah, le jet de cheveux là. Ouais. Ouais, là. Ça fait un peu Giraïm, ça m'énerve. Putain, mais elle est grande cette forêt, c'est pas le même chemin. À droite? Ouais, t'as des trucs en haut. Merci. Il n'y a absolument rien. Ah bon, tu l'as pas vu? Derrière l'arbre, putain. J'avais pas vu, non. Waouh! Ça partira sûrement à vendre. Regardez le pauvre Crisacier qui n'arrive pas à suivre. Ouais, et là, tu peux repasser sur la droite pour choper le combat que t'as raté. Quoi? Là, sur la droite, c'est le combat que t'as raté, en fait. Ah oui, bon, on va évoluer. Ah, t'as mis Bulizard? Mais non, parce qu'il est pas là, penché. Bah tu vas dans l'équipe. T'as pas une boîte PC? Non, c'est tout depuis ton menu, ta boîte... Ah bon? Oui. Ah, je pensais qu'il fallait quitter pour... Non, le jeu est vraiment extrêmement simplifié par rapport à Pokémon Jaune. Ça, c'est la meilleure de l'année, en vrai. Ouais, ou la pire. Est-ce qu'il aime bien double pied, lui? Je bâme. Enculé. Il a tellement de vie. Ah, c'est pas efficace, d'accord. Oh non, il commence. Non. Non. C'est le combat à 8 ans et demi, quoi. Ok, j'ai rien dit. C'est le sel de... Alors, faudra qu'on te dise quelque chose après, Romain, mais on peut pas le dire en stream, malheureusement. Parce que sinon, on va être copy-striké. Ah, tu parles de Fel Inferno? Oui. D'accord. Oui, il faut vite que je vire ça, parce qu'ils vont tous évoluer en même temps. Oh, j'ai appuyé sur B. Désolé, Chenipan, tu n'évolueras pas. Alors, comment on fait? C'est depuis le sac? Oui, aussi. T'as la boîte Pokémon, en fait. Elle est où? Là, devant toi. Putain, mais je sais pas lire. Ça va les chenipans? Ouais, il y en a beaucoup. T'en as 12 quoi. Alors je le déplace là. Non, il faut que tu cliques sur Bulbizarre et voilà, inclure dans l'équipe. Dans mon équipe. Ah, j'ai pas le. Il est où le buzzer rouge? On n'est pas sur TS, j'ai pas la sandbox là. Putain. Donc lui, comment on fait? T'as un micro qui est rouge pire, tu peux appuyer dessus. Ah, oula. Je pense pas que les gens vont. Ça va pas. Ouais, je pense pas que. Ah, on peut en choisir plein. Oh, c'est tellement bien. Bah garde le plus niveau max. Bah j'ai Crisacier, tenez. Ouais, comme tu veux. Bon, bah voilà, Y. C'est la chaîne. Ah, merci. Je sais pas. Oh, enculé. Ah, c'est bien ce qu'il t'a donné. Bah vous voyez, dans la bonbonnière. Non, je vois pas de bonbons dans la bonbonnière. Il en reste pas beaucoup, hein. La bonbonnière. Alors en vrai, on va juste l'inclure, mais on va mettre à la place de... Bah, t'as vu le bizarre. Ouais, voilà. Ouais. Ok, impec. La bouboignière, la mal à costume. Bon, on s'en fout de tout ça. On s'en va. Oh là, attention. Ah, attention. Ça, c'est bien, on peut éviter les combats. Ouais. Salut, madame. Oui. Eh bien, moi, je suis première de ma classe en lancer de Pokéball. Oh là là. Y'a qui, il comprend pas l'idée d'avoir tous les Pokémon dans sa boîte? Non, je comprenais pas. C'est comme sur Pokémon Go, en vrai. C'est quand même assez pratique.
faut le dire. Mais non, c'est vraiment, je n'y ai pas touché à Let's Go Evoli, à Let's Go Pikachu, donc sur le coup, c'est vrai que c'est des choses qui, bon, ben, me paraissent un peu aberrantes, hein, parce que je suis formaté dans les vieux jeux Pokémon. Je sais pas si ma phrase était française, mais vous avez compris l'idée. Oh, c'était Christine! Les prénoms qu'ils donnent parfois au PNJ. Il est où le mec des shorts? Oh, il est plus loin. Ouais, je sais, mais je le veux. C'est presque le même chemin en vrai. Ah oui, c'est quasiment les mêmes choses. Non! Espèce de connard! la fuite! Je te veux pas dans mon équipe. C'est pas toi que je voulais faire une chaîne. Donc là, il y a un objet. Ouais, voilà. En plus, il est baigné. Le soleil apparu ? Oui, c'est exactement ça. Il est baigné par la lumière. Et c'était la suite de ma phrase. Le soleil apparu. Pikachu. Et pourquoi il disparaît parfois ? Parce que tu l'écrases, en fait. Du coup, il rentre dans sa Pokéball. T'as l'animation de la Pokéball. C'est un peu con. Salut ! Hop, minute, on n'est pas pressé. Bah un peu quand même. Après les viewers, ils vont dire qu'ils sont... Alors, j'autorise un commentaire que le bot a modéré de Nino. Ah bon ? Alors qu'elle a rien voulu dire de déplaisant, mais... Attends, je vais sortir un onyx de ma poche. C'est ça ? C'est ça qui a été striké ? Ce qui a été striké, c'est ma poche. Mais non ! Je te jure. Mais pourquoi ? Je sais pas. Pas mal, j'ai une... Non, c'est bon, Nino. Ah, c'est bizarre ça d'ailleurs, le bot de merde. C'est le par défaut de Twitch parce que j'ai pas activé. Elle est toujours là, coupe ou. Ah, presque, il m'en parle là, du moins. Salut. C'était pas là à la base, coupe. Genre, il te faut 50 Pokémon ou 20, je sais plus. T'as quand même des différences par rapport à Pokémon Pikachu, bleu, pas, ou jaune. Ils assumaient que c'était jaune, mais amélioré. Bah, c'est plus qu'amélioré parce que, en fait, dans la timeline, il se situe après Soleil et Lune. Donc, il y a quand même des choses qui ont changé. Argento. Oh merde. Ah, bonjour. Tu vas nous faire chier dans toutes les villes ou... Bah, déjà, quand tu vois ma coupe. Ouais, bon. Bon, heureusement, oh je là pas... là, giflez-le. Je n'ai pas de pantalon vert. Caillou dessus, genre, pour... Ah non, genre, mais je ne suis pas un CRS. Si... Non, mais dans le premier Pokémon, dans le Park Safari, tu pouvais prendre un caillou et le balancer sur les Pokémon. Bah là, ça, du coup. Vraiment marrant. Tu peux balancer ton J-Con. Ouais, on va. Bon. Qu'est-ce que ces maisons ? J'ai pas envie. J'ai pas envie de faire toutes les maisons. Je veux juste aller à l'arène. Salut. Ah oui, occupe-toi de mon équipe. Il y a des gros buzzers rouges là quand même. Ça veut dire quoi le cœur à côté? C'est que ton Pokémon t'aime beaucoup. Ah bon? Ouais. Et ça, en fait, c'est, par défaut, c'est ton starter, lui, il va forcément t'aimer. Ça sera mieux. Je peux pas le câliner, lui. Je déteste ce jeu. Je t'aime. Oui. Oui. Il est tout détendu. Oui. Regarde-le. Il est très heureux. Il y a des gens qui jouent à la Switch. Pourquoi ça se voit pas? Oui. On va faire des échanges plus tard. Quand t'auras besoin de trucs, on essaie de... Attends, il y a vraiment la carte ? Oui. Genre, vous êtes ici. Sachant que tu as aussi une carte dans tes items. Oui, elle me l'a donné, maman. Je t'aime. Essaye de parler au monsieur au chapeau. Je sais plus si c'est lui ou un autre, mais... Ah bon, bah, il s'en fout. Miséricorde! Que veux-tu, toi, au téléphone? D'accord. Mais c'est quoi ce gros gland? Bon, bref, on s'en va.